Père de Dieu, ô Vierge très pure, servante du Seigneur. Seigneur dit en rendant grâce, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange que tu as cachée aux sages et aux savants, tu l'as révélée aux tout petits. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, amen. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Comme le Père Francis nous le rappelait dans le quart, c'est le jour. Le samedi, c'est le jour de la Vierge Marie, ce jour où nous nous mettons de manière toute particulière sous son regard, nous nous laissons aimer par elle et surtout nous nous laissons conduire par elle. Merci aux sœurs du Saint-Rosaire qui nous accueillent dans ce lieu. Puis nous avons cette grande joie d'être sous ce regard particulier à travers ces reliques de sœur Marie-Alphonsine, celle qui a eu cet amour tout particulier du chapelet, qui a médité ce chapelet avec tellement de force, tellement de passion, et qu'elle nous apprenne à être des amoureux du chapelet. Chaque fois que nous prions le chapelet, comme le dit Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, chaque fois que nous disons Marie, Marie dit Jésus. À chaque fois que nous méditons le chapelet, nous sommes renvoyés effectivement au cœur de Jésus, à ces mystères qu'il a vécu pour nous. Nous allons aussi tout particulièrement mettre les chevaliers du Saint-Sépulcre sous ce regard de Marie, sous cette protection de Marie, que vous, comme chevaliers, soyez ses serviteurs du cœur de Marie, puissiez aimer à temps et à contre-temps ce chapelet qui nous est donné. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie. Christ.
Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui dans le corps du Christ, son corps de chair, par sa mort, afin de vous introduire en sa présence, saint, immaculé, irréprochable. Cela se réalise si vous restez solidement fondé dans la foi, sans vous détourner de l'espérance que vous avez reçue en écoutant l'évangile proclamé à toute créature sous le ciel. De cet évangile, moi, Paul, je suis devenu ministre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Par ton nom, Dieu, sauve-moi. Par ta puissance, rends-moi justice. Dieu, entends ma prière. Écoute les paroles de ma bouche. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Voici que Dieu vient à mon aide. Le Seigneur est mon appui entre tous. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. Alléluia. Je suis le chemin, la vérité, la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient, après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens dirent alors: pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat? Jésus leur répondit: n'avez-vous pas lu ce que David fit un jour lorsqu'il eut faim lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Il entra dans la maison de Dieu, il prit les pains de l'offrande, en mangeant et en donnant à ceux qui l'accompagnaient, alors que les prêtres seulement ont le droit d'en manger. Jésus leur disait encore: le Fils de l'homme est maître du sabbat.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes sœurs et mes frères, en écoutant cette page d'Évangile, nous découvrons les attitudes des pharisiens, de tous ceux qui regardent Jésus et qui regardent ses disciples. Ils regardent Jésus, ils regardent ses disciples, et ils voient que les disciples de Jésus font ce que la loi ne permet pas. Et ils commencent à rouspéter et à réclamer. Et notre Seigneur Jésus leur fait découvrir ce qui est l'essentiel. Ce qui est l'essentiel, c'est l'amour de Dieu pour nous, pour eux, et pour tout homme et pour toute femme. Ce qui est premier, ce n'est pas des lois, des règlements. Mais ce qui est premier, c'est l'amour de Dieu qui se donne, qui se transmet à travers vous et moi. Alors vous me direz peut-être, comment arriver à transmettre autour de nous cet amour de Dieu et à le répandre? Et je ne vous cacherai pas, mes sœurs, je ne sais pas si vous comprenez mon pauvre français dans ce pays, mais vous comprendrez pourquoi je suis tellement heureux qu'aujourd'hui nous célébrions la messe en pensant à votre Sainte Mère fondatrice et en pensant à l'importance du rosaire. Plus je médite les mystères du rosaire, plus la vie de Jésus devient ma vie. Et plus je médite les mystères du rosaire, plus Jésus devient ma vie. Et ceux et celles qui profitent de pauvres rencontres avec nous, profitent de la présence du Seigneur Jésus en nous. Je suis religieux aussi d'une congrégation mariale. Et notre grand souci, c'est de donner Jésus au monde, le Fils de Dieu bien sûr, mais le Fils de Marie aussi. Car il ne faut quand même pas oublier que pendant 30 années, Jésus a vécu avec sa mère et sa mère a vécu avec lui. Plus je me confie à la Vierge Marie et plus je lui demande d'aimer Jésus comme elle l'aime, plus Jésus devient moi. Je deviens lui, il devient moi. Et nous sommes dans cette richesse d'alliance dont le monde a tant besoin. Souvenons-nous de ce premier mystère joyeux, l'Annonciation. Elle dit oui pour que le Sauveur vienne dans le monde. Oh, vous savez, vous, moi, chaque fois que nous acceptons Jésus dans notre vie, c'est Jésus Sauveur qui vient dans le monde. Comme j'aime à le répéter souvent, le ciel fait tout ce qu'il peut pour nous soutenir, pour que Jésus devienne le Sauveur que le monde attend. Le ciel fait tout ce qu'il peut. S'il a canonisé, si l'Église a canonisé Mère Alphonsine, c'est que le ciel a tout fait pour qu'elle soit un élément important aujourd'hui pour tous les chrétiens. Qu'en regardant cette belle figure de femme qui a compris qui était la Vierge Marie, qui a bien compris aussi l'importance des mystères du rosaire, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. Si vous entrez dans cette démarche, vous avez l'assurance de votre vie. Vous avez l'assurance de la paix et vous avez l'assurance de traverser tous les événements de vos vies qui vous arrivent, non pas seuls, mais avec Jésus, le Fils de Dieu,
le fils de Marie. On pourrait reprendre chacun des mystères. Mystère joyeux, mystère glorieux, mystère douloureux, mystère lumineux. C'est toute la vie du Christ en nous, que la Vierge Marie, par sa puissante intercession, fait tout pour que cette vie soit devienne notre vie. Et ce n'est pas des mots. Que le Seigneur bénisse votre congrégation. Que le Seigneur bénisse tous les enfants qu'il vous confie pour leur éducation. Que le Seigneur bénisse ce pays. Qu'il bénisse cette terre. Qu'il bénisse toutes les sœurs, afin que grâce à vous, Jésus reste bien vivant en pensée, en parole et en action. Amen. Pour nous préparer à cet offertoire de l'Eucharistie, je nous propose deux couplets du numéro 116. 116. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde, les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. 3. Garde-nous tout petits devant ta face. Comme la Vierge Immaculée, garde-nous transparents à tous nos frères de l'amour qui l'a consommé. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde, les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Apprends-nous à chanter ton évangile, comme Marie auprès de toi. Comble de ton amour le cœur des pauvres, le cœur des riches, change-le. Devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde, les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Que l'offrande eucharistique, Seigneur, nous apporte toujours la grâce du salut.
Que ta puissance accomplisse elle-même ce que nous célébrons dans cette liturgie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché. Et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous as fait passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Sanctus, 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 dominus, Deus sanctus. Vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix, protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour le patriarche Pierre-Baptiste, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant, est vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs Pierre, Paul, André et tous les saints. Accorde-nous, par leur mérite, par leur prière, d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes,
et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Seigneur, souviens-toi de tes serviteurs, souviens-toi de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans ta joie, dans ta paix et dans ta lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, Jean-Baptiste, Étienne, Matthias, Barnabé, mais aussi de la bienheureuse mère Alphonsine et de tous les saints de Terre Sainte. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur, car c'est par lui que tu ne cesses de créer tous ses biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et que tu nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le même Esprit Saint, nous pourrons dire avec confiance,
la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. » Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un geste de cette paix. Paix du Christ, mon Père. Paix du Christ, Père. Merci beaucoup. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour ceux qui le souhaitent, je donnerai la communion sous les deux espèces par intinction. Et sur la langue. Oui, sur la langue, bien sûr.
numéro 114. 114. Corrompu pour un monde nouveau, gloire à toi, Jésus-Christ, pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux, corps est un levain de vie éternelle. Tu sèmes dans nos mains ta bonne nouvelle. Rassasiés par le pain de la vie, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie l'amour en nos cœurs et nous incite à te servir dans nos frères, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur. Après la bénédiction, pendant le chant final, le Père Éric présentera le reliquaire et ceux qui veulent embrasser, vénérer les reliques de Mère Alphonsine sont bien sûr invités à le faire. Faire ce geste, c'est se mettre en communion avec sa vie et tous les soucis qu'elle portait pour cette terre, pour les hommes et les femmes qui la peuplaient. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et le chant final, le numéro 29. Vous pouvez prendre le reliquaire derrière et vous prenez un linge qui est sur l'autel pour essuyer. Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Marie
Emmanuel, et joie de ton Seigneur. Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame. Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Tu es resté fidèle, mère au pied de la croix. Soutiens notre espérance et garde notre foi. Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous l'eau et le sang versé qui sauvent du péché. Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame. Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Quelle fut la joie d'Ève lorsque tu es monté plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées. Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie, de contempler en toi la promesse de vie. Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame. Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Merci beaucoup d'avoir pu célébrer cette Eucharistie avec vous. Et restons dans la joie du ciel d'avoir reçu nos prières et nos désirs de vivre ce que cette sainte femme a vécu dans toute l'offrande de sa vie et qui se reproduit aujourd'hui en toutes ses filles. Encore merci.